Hey matelot, ici Defroy et Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel d'une maison avec un punaise de terrain de foot. Voilà, alors un petit terrain de foot évidemment, mais euh, voilà, je pouvais pas faire un terrain de foot à taille réelle non plus parce que bah il n'y a pas assez de monde sur Minecraft habituellement pour faire un vrai jeu de foot donc euh, voilà, ça sert à rien d'avoir un, un balèze non plus. Et donc voilà, petite maison moderne, ma euh, bah, foi, sympathique avec euh, voilà, une espèce de pavé minimaliste et une grosse, euh, un gros dôme finalement, tout vitré parce que on aime ça les dômes vitrés, oui, voilà, une maison très simple parce que après tout. Ou alors. Donc, on va commencer directement avec un pavé sur le sol qui va faire 7 blocs de large, ok Sur 25 blocs de longueur, d'accord Et euh, sur 6 blocs de haut. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai mis de la cobblestone, hein, donc voilà, une, 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 un bloc très facile à trouver. Euh, voilà, donc 7 sur 25. Et on va monter tout ce pâté là à 6 blocs de hauteur, d'accord Et du coup... En partant de ce bloc comme ça, de 6 blocs de, de hauteur, hein, on, va, on va partir de ici, d'accord On va partir de ici, on va décaler de 1 bloc sur le côté à ce niveau-là, et on va compter 25 blocs à partir de là-bas tout au fond là-bas donc 2 3 4 5 6 bla 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 et on arrive pile à celui-là on arrive à ce bloc là et j'ai déjà du coup comme tu peux le voir fait une fait la forme de, du dôme que va avoir notre maison donc je vais pouvoir te montrer ça facilement donc je répète hein, on décale de deux là-bas on compte 25 blocs on arrive ici à partir de ce bloc là du coup on va compter un bloc en un, un bloc en diagonale deux blocs en diagonale trois blocs en diagonale donc en tout ça fait quatre blocs comme ça en diagonale ok Ici donc tu en mets deux. Ici en diagonale tu en remets deux. Ici il y en a quatre. Ici il y en a 7. D'accord. Ici il y en a 4, Et normalement, si as bien compté, il t'en faut plus que 2 pour toucher le mur ici. Et on est bon. Et on est bon et on est bon. Alors faudrait juste penser à un petit truc. C'est-à-dire que ici, là, tu vois. Et euh, à ce niveau-là, on a une connexion de texture. Pour ceux qui ne connaissent pas les connexions de texture, hein, c'est quand tu as deux blocs complètement différents qui sont sur le même plan. Et euh, la jointure des deux fait qu'en construction moderne, il vaut mieux éviter, ça, ça, fait, ça fait pas top. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser les demi-blocs de cobblestone <coughs> que l'on va mettre du coup sur tout le contour de notre euh, construction ici pour éviter d'avoir cette petite connexion de texture à ce niveau-là. Tu vois, parce que là du coup, les blocs, les textures ne sont plus sur le même plan. Donc ça fait mieux. Hop et on va boucher tout le contour de notre maison ici comme ça et on va d'ailleurs continuer avec les demi-blocs de cobblestone ici parce que on va pouvoir les mettre aussi en dessous de la terre. Tu vas comprendre tout de suite parce que le dessus ici en fait de notre construction, on va le faire en terre, on va faire un toit végétalisé. Alors j'ai viré mon demi-bloc mes demi-blocs de de, euh, de cobblestone à la place ce qui va être pratique. Hop, donc je remplis ça en terre rapido Voilà un peu du coup euh, ce que ça donne. Alors on va on va ouvrir un petit peu ici quand même pour pouvoir euh, entrer dans le dans le building. Hop et alors j'ai plus mes mes demi blocs de cobble sur moi mais c'est pas grave. On peut tapisser du coup tout le fond ici parce que tu vois à l'intérieur du bâtiment comme ici. On voit. Euh, la terre vue de dessous, ce qui est euh, en termes de plafond, il y a quand même plus esthétique. Hein, tu vois, tu, tu fais la comparaison entre euh, la galerie des glaces à Versailles, tu sais, et euh, où la, la chapelle Sixtine, euh, le plafond et, euh, et ce plafond-là qui est tout en terre. Tu vois, tu as quand même un certain éclairage en termes de, de, de prestige. Donc, l'idée, c'est qu'on va recouvrir... Le tout le plafond comme ça de demi-bloc d'un bloc que tu veux, moi je te conseille des blocs euh, soit gris avec euh, stone brick cobble ou comme je fais là avec du quartz parce que le quartz ça fait blanc, ça fait euh, plus classe un peu que juste euh, de la terre en tout cas et ça on aime bien. Voilà donc j'arrive au bout, <laughs> pouf, voilà, toi ça fait mieux, tu fait mieux hein, tout de suite, on est d'accord, boing boing. Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, euh, une fois qu'on a fait notre courbe ici aussi au niveau du, du dôme, hein, on va l'affiner, c'est-à-dire qu'on va affiner un petit peu la forme, on va utiliser des demi-blocs pour pouvoir donner une forme un peu plus harmonieuse, on va dire, un peu plus euh, sympa. Donc vous voyez au niveau du premier bloc, euh, de deux blocs alignés, comme ça on va mettre, voilà, un bloc ici, un bloc ici, deux ici, deux ici, un ici... Et tu vois que quand on s'éloigne, alors peut-être de l'autre côté, <laughs> quand on s'éloigne, on voit que le dessus de la courbe est plus harmonieux que le dessous, tu vois. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'on va continuer ici, ici, ici. Hop, tu vois. Pour pouvoir avoir une courbe plus sympathique. Alors, au niveau du dessus, on va quand même rajouter un troisième. Et là, on a une courbe qui commence à être beaucoup plus jolie qu'avant. Sauf que vous voyez que là, le, on a épaissi un petit peu le trait, alors qu'ici, ben, il est moins épais. Donc, on va quand même rajouter des demi-blocs ici, comme ça, en dessous les, les blocs en diagonale, pour, euh, pour compenser un petit peu. Et donc, cette forme de courbe-là, qu'on vient d'obtenir, on va la prolonger sur 11 ou 12 blocs de longueur. C'est comme tu veux. Moi, je vais faire sur 11 blocs de long. Hein. Donc, toute cette forme-là, on va le prolonger sur 11 blocs. Voilà un peu ce que ça donne du coup. Alors, on va quand même rajouter des murs parce que c'est quand même plus sympa à niveau intimité, hein, les murs, on va pas se mentir. Donc on va prendre des blocs comme ça de, de, de bois, de sombre, voilà, de chaîne sombre. Et on va venir à un bloc, tu vois, à l'intérieur de notre structure ici, donc à un bloc. Et on va venir à partir de notre bloc en cobblestone ici, tu vois. Compter 1, 2, 3 blocs, ici comme ça, après on met un mur de 4, ok D'accord Donc comme ça ici, hein, euh, je rappelle, là, un, un bloc de décalage par rapport au, à la façade. <laughs> ici on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok Après on va mettre des blocs sur 4 blocs, et puis c'est tout. C'est-à-dire que voilà, ces, ces murs-là, on va les monter jusqu'au plafond, et... Évidemment, vous voyez comme on a mis des demi-blocs au plafond, et eh bien il faut casser les demi-blocs du plafond pour euh, les faire vraiment euh, monter les murs pour que les murs s'encochent véritablement à l'intérieur du plafond. Quitte à casser le plafond, hein, euh, ça c'est pas, pas, pas grave. À la limite, il y a toujours les tapis pour mettre au-dessus, euh, si jamais ça dépasse sur le toit et tout. Donc euh, voilà. Alors ici, on va laisser ça quand même. Hop. <laughs> ok et hop. Voilà, donc on fera l'autre côté aussi pareil. Hein. Euh, ici, juste on va remplir tout le reste, tous les trous. Ici, tu vois, là, euh, ainsi que tout jusqu'au plafond et tout. Là, ici aussi, et euh, là, on va complètement les remplir de vitres. À la différence que ici, en plein milieu, on va juste remplir à partir du troisième bloc de hauteur pour laisser deux blocs de, de, bloc de marge. Euh, en dessous pour pouvoir passer hein, tout simplement parce que euh, bah parce qu'on a besoin de passer quand même dans le dans la maison et il faudra encore une fois hein, euh, enlever les demi blocs qui gênent ici par exemple euh, voilà pour pouvoir mettre les vitres euh, bien comme il faut coller au plafond et voilà ce que ça donne ma bonne dame alors maintenant on va quand même essayer de relier les deux parties du bâtiment entre eux parce que c'est plus pratique donc on va complètement ouvrir ici tu vois euh, jusque là à peu près hop pourquoi là parce que c'est euh, c'est ça touche pas la, la vitre il faut quand même un rebord à la vitre ici donc on va pas enlever cette partie là cette partie là en dessous elle est juste en dessous de la façade de la maison donc si on vient euh, l'enlever bah ça ça veut dire que ce toit là il, il, il atterrit dans le vide et si on casse jusqu'ici, eh on a une connexion de texture avec le toit. Donc on est obligé de laisser voilà, deux blocs de marge à ce niveau-là. Euh, et trois blocs de marge, enfin deux blocs et demi au, au niveau du dessus pour pas avoir de problème. Et on va ouvrir tout ici, toute la façade parce que euh, bah parce qu'on le peut hein, tout simplement. Et on va pas se faire embêter. Donc ici j'ai envie de faire une petite... Euh, petite ouverture comme ça. Mais avec voir, on va utiliser des euh, murets de cobble. Pouf, pouf, pouf. Ici comme ça. Parce que, voilà, pour rien, c'est juste de la déco. Tu sais, il n'y a aucun, aucune raison particulière. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va quand même essayer d'ouvrir euh, voilà, une fenêtre euh, qui part par ici. Et... Euh, <laughs> Et d'autres fenêtres aussi sur ce côté-là, parce que ce côté-là, il n'a rien du tout, le pauvre. Donc, on va ouvrir des fenêtres. On va compter 3, 4, 5, 6 blocs, ok, à ce niveau-là, jusque-là, donc quasiment jusqu'en haut. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs encore d'écart. Et on va ouvrir tout ici. Et puis, et puis ça sera bon, hein, on n'aura pas besoin d'ouvrir plus que ça. Hop, on va prendre en fait les blocs de quartz, ok et on va venir les poser par-dessus la surface. Hop. Et bah, du coup, pour éviter les, les problèmes, on va aller les prolonger à l'intérieur de la structure. Youp. Hop. Ok. La même chose là-bas. Hein. On bouche ici et on va à l'intérieur pour enlever euh, les connexions de texture foireuses. Alors, du coup, oui, vous allez me dire que ça déplace le problème puisque les connexions de texture, elles sont là. Oui, sauf que ça, on peut, le jouer, on peut jouer dessus au niveau de la décoration d'intérieur. Alors qu'au niveau de l'extérieur, bah, ça, ça se voit vraiment. Quoi. Alors, du coup, on va rajouter des vitres ici, voyez-vous. Hop, la même chose de l'autre côté. Et, ok. Et du coup, pour le reste du mur ici, on ne va pas quand même le laisser tout seul, le pauvre. On va rajouter, voilà, des espèces de, de barrières comme ça. Euh, voilà, qu'on va coller même au mur. Hop. Passer de trois blocs et on va ajouter des feu feuilles. Euh, ouais, alors du coup, on va. Alors, je vais essayer un petit truc. Tiens, je m'improvise, tu sais. Un petit truc. Hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, une espèce de barrière comme ça. Je sais pas si ça fait bien. Pouf, 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 ça fait mieux. Ça fait mieux. Un peu moins. <laughs> voilà, donc de la végétation ici sur le côté parce qu'après tout. Pourquoi pas euh, Et du coup, alors une fois qu'on a fait ça, on va peut-être mettre les vitres là où il faut aussi quand même. C'est un peu sympa, on va pas se mentir. L'idée c'est qu'on va changer tout le sol ici comme ça, quand même, jusque devant les fenêtres, jusque ici sur la longueur en, en bois. Voilà, en bois classique de d'arbres bah, <laughs> en bois de chêne. Hop. Euh, voilà. Tout, tout ici, on va changer ça. On va mettre en bois de chaîne, c'est-à-dire en machin comme ça sur mon pack de textures qui est téléchargeable dans la description de la vidéo. Et évidemment, voilà ce que ça donne, hein, rien de bien exceptionnel. Et on va aussi euh, boucher notre baie vitrée ici comme ça. On va mettre voilà des vitres un peu partout. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de vitres hein, ici aussi. Par exemple au niveau de l'entrée, on va en mettre plein. Hop. Euh, et ici, du coup, on va voilà faire une grosse vitre et on va hop. Euh, juste faire une ouverture à ce niveau-là. Hop. Ok. Ici aussi. Voilà. Et donc on va juste se faire une ouverture à ce niveau-là. Alors on va quand même rajouter un petit chemin en plaque de pression. Hein, ici comme ça. Hop. Voilà qu'on va venir faire par devant notre ouverture ici. Et on va le faire euh, décaler ici tout sur le côté notre euh, chemin en plaque de pression et on va le faire d'ailleurs décaler d'encore un cran voilà ici comme ça et on va le faire venir tout jusque sur le côté <laughs> ici comme ça et on va en fait le faire s'enrouler autour d'un truc tu vois en gros on va le faire euh, voilà venir ici et en plein milieu du, du carré qu'on qu vient de faire là on va faire tout simplement un tronc d'arbre avec des barrières, des barrières de bois foncé et en bois de sapin par exemple et on va venir hop, faire monter la barrière comme ça assez largement au-dessus du niveau de la maison pour avoir un effet de, de, de voilà de différence au niveau euh, euh, au niveau vertical, horizontal hein, par rapport à la maison. Donc voilà, on fait une grande tige comme ça sur, le, sur, sur notre carré, et on va on vient venir placer des feuilles un peu de manière aléatoire autour de ce machin peu en essayant de faire ressembler à un arbre autant que faire se peut. <laughs> euh, moi je vais essayer de le... Voilà, de le customiser un petit peu en mettant des, des, des feuilles un peu partout. Et après en en enlevant ici hein, pour tailler un petit peu dans le gras. Euh, là où il y en a un petit peu trop. Hop. Toi. Hop. Ici comme ça. Est-ce que c'est une bonne tronche Oui. Après, on pourrait le faire un petit peu plus touffu quand même, avec un petit peu plus de matière. Hop. Euh, on pourrait voilà faire un truc un peu plus volumineux. Pouf. Hop. Euh, voilà. On va essayer de faire un truc comme ça. Alors, est-ce que de loin ça rend bien Oui oui, 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 après c'est vrai qu'on pourrait le faire plus volumineux. On pourrait le faire plus volumineux. Hop, hop. Par exemple. Et voilà. Donc on peut faire ce genre d'arbre comme ça avec tout simplement un tronc en tige de, de barrière de bois. Et plein de feuilles un peu random autour. En essayant de lui donner une forme un peu générale quand même à l'arbre. Ça, ça, ça pourrait être pas mal. Et on peut évidemment rajouter... Euh, le toit qu'on avait oublié de faire tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser la poudre d'os, ok, que j'ai dans la main, pour pouvoir euh, voilà mettre un petit peu de végétation sur ce sur ce toit de brut. Hop, pouf, 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 pouf. Hop, euh, voilà histoire de rajouter des choses. Alors, on va aussi pouvoir maintenant faire le truc principal, qui est un petit peu voilà de la maison qui est le terrain de foot. Le terrain de foot simplifié quand même parce que bah parce que voilà on peut pas enfin euh, sur Minecraft ça sert à rien de faire des terrains de foot qui sont pas utilisables à échelle euh, à échelle je sais pas combien. Donc là c'est juste un terrain de foot pour la maison et on va le faire euh, voilà décalé de quelques blocs par rapport à notre chantier ici donc euh, de là par exemple voilà jusque trois blocs par rapport à la maison et on va le faire de 13 blocs. Alors moi j'ai utilisé euh, voilà, du quartz ici, donc je vais plutôt prendre de la neige qui est euh, un peu plus euh, ressemblant au vrai euh, terrain de foot classique, on va dire. Et on va le faire aller sur 13 blocs de longueur, comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Et on va le faire venir sur 27 blocs de longueur. Oui, monsieur, 27 blocs. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. et eh ben, impeccable. T'as vu, je suis compté jusqu'à 27. Putain, je suis trop fort. <laughs> Hop. Et donc voilà, on fait un grand terrain comme ça. Et on va complètement ouvrir. Euh, D'ailleurs, je l'ai peut-être fait trop près de la maison là-bas. Parce que j'aurais besoin de faire les cages. Euh, ouais, je viens d'y penser. J'aurais besoin de faire les cages. Pour euh, évidemment. Euh, le terrain, donc je vais décaler le terrain de quelques blocs, histoire de laisser, on va dire, 6 euh, blocs à peu près par rapport, euh, de décalage par rapport à la maison. Ok, une fois qu'on a notre terrain comme ça, on va pouvoir faire les zones de démarcation, hein, les zones de, de, du terrain, et notamment les zones de but hein, déjà. Donc on va hop, se décaler de un bloc ici de notre bord, et on va voilà faire une démarcation comme ça. Hop, de 4 blocs. Voilà, de longueur ici comme ça, un hein, quatre blocs en plus de la ligne, surtout de la longueur. Et par derrière, évidemment, on va faire les cages. Donc, on va ouvrir ici, hop, comme ça, on va laisser voilà un bloc ici, tu vois, entre les entre les deux morceaux. Ok, donc quelque chose qu'un peu comme ça. On fera la même chose de l'autre côté. Et on va faire ça rapidement, même d'ailleurs. Et une fois qu'on a fait l'autre côté aussi, on va pouvoir faire la ligne du milieu. Hop, pouf. Voilà, en plein milieu du, du terrain, c'est pour ça que c'est impair à chaque fois hein, euh, les longueurs. Là, c'est 13 de longueur sur 27 de large. C'est pour avoir un, un bloc pile au milieu, comme ça, c'est plus facile. Hop, et donc, du coup, au niveau du milieu, ici, on va ouvrir hop, sur le côté pour pouvoir faire le rond central qui va pas être bien proportionné. Hein. Ça, je te le dis tout de suite, mais bon, voilà. Au moins on aura notre petit euh, terrain de foot. Alors, évidemment, on va construire les cages hein, quand même parce que voilà, on va, faire, on va faire les choses proprement un minimum. Donc, on va venir faire des piliers comme ça de trois blocs de hauteur et les relier comme ça sur l'ensemble. Le, sur et par derrière, par derrière les cages, du coup, on va utiliser de euh, la toile d'araignée. Voilà, parce que on pourrait utiliser autre chose, mais la toile d'araignée rend vachement bien. Donc, voilà, c'est très classique, hein, mais. Ça rend bien, donc après tout, euh, pas besoin de changer la roue encore une fois. Euh, et puis voilà, on va aussi changer du coup l'autre côté. Hein. Enfin, on va le refaire rapidement, rapidement. Hop, j'ai plus mon, j'ai plus ma machin. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter vraiment les toutes petites dernières touches de finition. Tu sais, moi j'aime bien utiliser les plaques de pression comme ça devant les, les entrées parce que voilà moi ça me donne euh... enfin ça je, ça, ça me met en valeur l'entrée, j'aime bien. Donc on va l'aligner, tu vois ici sur la ligne euh, du, du terrain de foot comme ça au moins on a voilà, une sorte de géométrie qui est respectée dans la dans la maison. On va aussi rapidement rajouter, tu vois des trappes comme ça au-dessus de l'entrée, hop parce que voilà, ça ça fait ressortir un peu l'entrée, c'est sympa. Et une petite touche de, 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 de verdure qu'on va rajouter à partir du, du toit là, par exemple. Un toit sans, sans feuilles pour moi c'est... C'est. <laughs> voilà. Dans mes, dans mes vidéos, c'est rare. <laughs> on va pas se le cacher. Et on va peut-être rajouter un petit peu aussi de fleurs ici, tu vois, sur le côté. Parce que, bah, parce que ça rend bien les fleurs. Moi j'aime bien ça. Hop, ça ça dépend lesquels, il y en a qui ont des mauvais goûts, mais. Hop. Ça, je vais faire croire que je bouffe les fleurs après. <laughs> Voilà, on va faire euh, des espèces de petits monceaux de fleurs comme ça, euh, hmm, pouf, voilà, pour donner un petit peu de, un petit, une petite touche de couleur, ce qui sera pas trop mal avec euh, voilà, des petites fleurs peut-être de poser de, disposer de manière un peu plus aléatoire, euh, pour être bien, alors je sais que techniquement c'est une très 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 mauvaise idée, je suis sûr euh, D'ailleurs, que ceux qui parmi vous pratiquent le foot régulièrement vont me dire, c'est une très mauvaise idée de mettre ta vignon juste à côté d'un terrain de foot parce que, enfin, je sais pas, quand tu tires dans la balle, en fait, vu tout le nombre de carreaux qu'il y a dans ta maison, c'est juste pas du tout une bonne idée pour tes carreaux, pour la bonne santé de ta maison et de tes carreaux. Mais bon, euh, voilà, c'est pas comme si je venais de le trouver sur le coup, tu vois, et que j'avais pas réfléchi en ha! <laughs> Ça serait pas mon genre. Euh, du coup, bah voilà, dites-moi, pour ceux qui pratiquent le foot et même pour les autres, euh, combien serait le temps de durée de vie, voilà, des carreaux de foot, enfin des, des carreaux de la maison, comme ça, parce qu'on est foutu plein. Et c'est vrai que juste à côté d'un terrain, c'est pas du tout une bonne idée, je viens d'y penser, mais c'est juste à l'instant en fait. Mais là Bref quel, Combien de temps ça va durer avant qu'il n'y ait plus du tout aucun carreau dans la maison voilà, dites moi de ça en commentaire, parce que voilà, je, je qu'une idée. <laughs> Sur ce, je te souhaite très bon jeu à toi, bon vent matelot, et à la prochaine